Arme. Oppo. Hey. Oppo. Hey. Oppo. Voilà, là. Bonjour d'abord. Bah, vous voyez, quand vous me voyez matin bonheur comme ça, c'est que c'est pas bon. Est-ce que vous me voyez comme ça souvent? Donc quand vous me voyez le matin comme ça au rapport, c'est que j'ai un message à faire passer. Et un message très 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 sérieux. Et ce message, j'aimerais que, à travers vous et à travers ma voix, vous véhiculez ce message aussi à vos camarades. Comme je sais que vous vous parlez, et c'est un message très important. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Arrêtons de s'effrayer. Et moi, je suis venu ce matin vous parler. Ceux qui vont m'écouter, qu'ils m'écoutent. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, tant pis pour eux. Vous voyez, on a une armée que nous essayons aujourd'hui de rendre ça bien droit dans la ligne. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. On apprend, il y a des gens qui disent qu'ils veulent être adjudants d'ici janvier. Et ils envoient des messages pour dire qu'on a fait sacrifice de poudre de fusil. Donc poudre de fusil va finir dans la Côte d'Ivoire. On a fait sacrifice d'haricots. Il n'y a plus d'haricots à Abidjan encore, c'est fini. Arrêtons ça, les gars. Ne vous laissez pas utiliser. Et on vous... Quand vous avez l'occasion de vous regrouper, vous préparez ce genre de trucs. Et c'est à ce moment qu'on vous utilise. Mais la GR, la Grande Garde Républicaine, ne rentrons pas dans ce jeu. Ne rentrons pas dans ce jeu. Je sais que vous avez pris ces messages. Qui a me dit n'a pas reçu ces messages-là? Ah, ça, on est entre nous. Vous avez reçu ces messages-là, non? Hein? Ou vous n'avez pas reçu les 8400 là? Où sont les 8400 là? Allô, José, tu t'abaisses ou quoi? Bâtard là. Hein? Là, c'est pas vous qui avez envoyé alors. C'est d'autres personnes. Bon, ces gens qui utilisent vos noms de 8400 là pour faire ce genre de truc là, vous devez nous aider à démasquer ces gens-là. Et ne laissez pas les politiciens vous utiliser. Parce qu'on doit aller au référendum, ils veulent prendre les militaires. Ceux qui ne veulent pas aller dans ça, ils veulent prendre les militaires pour mettre devant, pour bloquer. Je vous en prie, quittons dans ce jeu-là. Nous, on est militaires, on a créé notre président de la République. Les politiciens qui veulent faire ça là, ils n'ont qu'à prendre les enfants, aller leur famille pour mettre devant, ils n'ont qu'à prendre les pancartes pour aller. Ce n'est pas nous qu'ils vont utiliser. Parce qu'ils vont vous utiliser. Demain, vous allez partir devant les bureaux pour ne pas rentrer devant dans les bureaux même pour les voir. Ils ont fini de faire ce qu'ils veulent de vous. Hein. Ça n'appelle ça Mougoupa. 1400, sacrifice pour notre contingent. Prendre poudre et fusil et diviser en deux parties. Oh, c'est mieux que de ne pas fêter à sa famille, de se retrouver quelque part.
On attend des gens de rencontrer n'importe quoi. Il y en a des gens qui ont dit ici, la GE devait se soulever parce que la GE a demandé ça. Vous voyez, même quand tu veux tuer, même si tu veux tuer ton chien, même si tu implies ton chien là, il faut reconnaître sa garde qu'il a pris devant ta porte là. Il ne faut pas l'accuser de râler pour le tuer. Il y a des gens qui cherchent non, qui veulent se faire propre. Ils sont obligés de mentir. On a entendu beaucoup de choses. Quand il y a eu les événements de Boaké, on dit heureusement qu'il y a eu les événements de Boaké. Sinon, c'est la GE qui voulait se soulever. Pourquoi? Ou bien nous, on n'est plus là. Dans cela, la GE va se soulever. C'est que moi, je suis mort. GE. Allahu Akbar. Enlevez ça dans vos têtes, soulevez-moi là. Je vous ai dit. Le jour que je viendrai, je dis, on a encore le faire ça, c'est que moi, je suis devant. Et puis on dit, on y va. Je ne vais pas vous dire d'aller faire quelque chose, et puis je m'assois au bureau, dans le climatiseur, et puis je vous dis, je vous envoie au sacrifice. Ça, je ne vais jamais le faire. Donc, ceux qui viennent vous rencontrer leur vie, faites remonter. Voilà ce message que je suis venu vous faire passer ce matin. Et je veux que ce message arrive à Yam Sokro, à tous vos camarades qui sont dans la caserne. À Jidan là. Vraiment, c'est que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire que vous allez créer pour faire votre Jidan là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. En ce moment, il n'y a plus d'armée. Et certains n'ont même pas deux ans, tu passes à Jidan en même temps. Bra. Yeah! Kawako. Vous riez même. Est-ce que vous non. Kapura, chose. Ouais. Tu trouves ça normal toi-même. À la veille! Un peu! Donc, les gars, j'espère qu'on s'est bien. On s'est bien parlé ce matin. Et que je vous ai dit. Vous n'avez pas l'habitude de me voir ici comme ça le matin. Comme vous voyez, c'est que c'est sérieux. Et je ne veux pas voir un élément de la chair dans ces bêtises-là. C'est pourquoi je veux nous faire passer ce message. Et soyons vigilants. Tout ce que vous attendez murmurer, faites remonter. Pour qu'on sache comment prendre ça au sérieux. Et c'est très sérieux, ce truc-là. Hein? D'accord. Donc on va faire. C'est quoi? C'est quoi ce sport? C'est quoi? Tiens, ah, la division de commandant, tiens, mon frère. Tiens, homme, repos. Résultat. Résultat, hein.